3, 2, 1, 0. Donc salut cousine, comme promis, voici, je t'ai fait un premier proto d'application décentralisée pour le stockage et le partage de tes favoris avec les spécifications solides pour le stockage. Donc je vais te montrer ça. Tu peux y accéder. Elle est sur mon GitHub, donc tu peux y accéder à l'adresse scénarister.github.io/booklist. Ça devrait pas être trop dur à se rappeler. C'est bookmark pour Alice. C'est là. Si tu veux le code source, en fait, tu peux le trouver là. Voilà. Et puis, si tu as des remarques, tu peux utiliser les issues. Donc l'appli, elle utilise la dernière version de l'authentification solide et elle te permet d'enregistrer donc des notes au format ActivityPub et au format Turtle. Donc si tu veux voir ce que ça donne en fait, là au niveau du pod, moi les miennes sont enregistrées là, donc dans le dossier public bookmark. Et par exemple, si j'en prends une, la dernière, c'est un fichier Turtle. Donc classique, avec et ben, du Turtle RDF qui utilise ActivityStream, donc là le nom, le contenu. Là on a des tags qui utilisent qui sont inspirés, qui vont en fait les références sont sur Wikidata. Par exemple, si je prends celui-là, donc on a eu, c'est tout ça c'est au format du web sémantique avec les différentes propriétés. L'interface elle est faite en Vue.js. Si tu veux, ouais, là par exemple, une fois que tu auras fait ton pod, donc en fait, moi mes données sont stockées à cette adresse-là. Donc si tu veux partager toi tes booklists en fait et tes liens, tu mets l'adresse de l'appli, point d'interrogation, source et l'adresse où tu veux aller. Donc les miens par exemple qui sont stockés ici, on les voit là. Donc là, le dernier qu'on a vu, par exemple, c'est la biologie quantique, c'est ce qu'on a là. Ici, tu m'as dit que tu voulais une image dedans, donc enfin que tu voulais qu'il y ait des images. Donc pour l'instant, elles sont masquées, mais il faut voir si on les fait réapparaître ou pas. On peut masquer aussi la description, les tags, en fait. Donc c'est à voir à l'utilisation. Si tout est caché. C'est au survol en fait que ça apparaît à nouveau, donc faut voir. Voilà, donc ça c'est gérable. Si tu veux créer toi un nouveau, si tu veux utiliser l'appli en fait, ici bah, tu vas te connecter avec ton pod. Moi j'ai déjà enregistré mes identifiants donc ça vient automatiquement. Et puis si on veut créer une nouvelle note, un nouveau, et ben en fait, par exemple, si on prend l'assemblée virtuelle, je sais pas si tu connais, c'est une asso, c'est pas mal apparemment ce qu'ils font. Donc là, on a l'URL ici, donc on va mettre l'URL, l'assemblée virtuelle. Au niveau de la note, ben on peut prendre. Ça par exemple, là, contrôle V. Là, on peut mettre soit de l'anglais, soit du Link Data, soit du français, puisque c'est basé sur Wikidata. On peut le faire en français aussi. Web sémantique, je sais pas ce que si on veut mettre France. Voilà. Quand on l'enregistre, donc il est enregistré automatiquement sur notre pod. Donc si on vient voir là après 57, alors c'est pas sûr qu'il soit dans le même ordre. Si, apparemment. Voilà. Donc on a tout ça qui s'est enregistré sur le pod. Ici au format Turtle avec ActivityStream. Ici, donc on peut afficher la description, afficher les images, l'image. Voilà pour ça. Donc c'est une appli. Donc c'est inspiré de. C'est largement inspiré de Google Keep, si tu connais. Ça utilise les composants web.
Et c'est hébergé là gratuitement sur les pages GitHub, mais on pourrait aussi l'héberger sur un pod. Donc c'est une progressive web app, on appelle ça. Donc elle peut aussi s'installer sur ton smartphone, je vais te montrer ça. Et du coup, ça permet aussi de partager quand tu es sur une autre appli, par exemple sur Insta, sur Internet. Tu peux aussi partager le lien. Je vais te montrer ça aussi tout à l'heure. C'est pas la classe, ça. Donc, comme tu le sais, l'un des avantages de Solid, c'est de découpler aussi les données avec les applis. Donc, on peut très facilement penser à créer d'autres applis qui utiliseront ces données-là. Et les présenter différemment, par exemple. Je pense notamment aux outils de Starting Blocks. Donc, si tu as sous la main des développeurs qui souhaitent apprendre comment ça fonctionne en détail, bah, fais-moi signe. On pourra se faire une visio, par exemple, un de ces quatre. Sinon, tu peux passer aussi les liens vers les différents tutos que j'ai fait. Le premier, c'est pour installer Node.js. Le deuxième, c'est consacré à la découverte de Vue.js. Et le troisième, c'est une page Medium où j'explique comment créer une première appli pour poster des photos sur un pod solide et comment l'héberger sur GitHub. Donc je mettrai tout ça en lien dans la description. Je vais te faire quand même une petite démo sur. Hop, donc voilà, pour la démo sur smartphone, comme je te disais, c'est la même chose. Tu peux y accéder. Depuis le site web, scenarister.github.io/booklist. La première fois que tu te connectes, il va te proposer d'ajouter Booklist à l'écran d'accueil. Et en fait, ça va installer l'application sur ton smartphone et tu pourras y accéder directement depuis tes applications. Tant qu'on est là, on peut se connecter pareil qu'on a fait sur l'appli web. Là, j'avais déjà enregistré mes identifiants, mais du coup, on retrouve nos différents bookmarks. 10 ans de lavé, ouais. Donc, une fois que l'appli elle est installée, maintenant, on va voir ce que ça donne. En fait, tu vas le retrouver dans tes partages. Par exemple, si j'ouvre une appli. Je sais pas, par exemple, si tu prends Biosen, hop, qu'est-ce que ça nous dit? Biosen, réseau coopératif, intéressant aussi ça. Oui, j'accepte. Qu'est-ce qu'il nous dit? On peut aller, hop, si on va voir par exemple. Néotropique. Ah, faudrait que j'en parle à quelqu'un que c'est pas facile de cliquer sur les vidéos. Peu importe. Donc là, maintenant qu'on est sur la page, en fait, tu peux dans ton navigateur retrouver par exemple dans Partager. Tu devrais pouvoir retrouver donc l'appli maintenant qu'elle est installée. Tu devrais pouvoir partager sur l'application Booklist qu'on trouve ici. Donc ça t'ouvre l'appli et normalement ça devrait te récupérer au moins l'URL. Donc l'URL et le titre. Il faut que je vérifie ça. L'URL, elle n'arrive pas où il faut. Parcours en 360. Voilà. On va mettre. Je crois qu'il y a un petit peu d'écologie aussi là-dedans. Hop. Enregistrer. Du coup, ça nous rajoute le lien. Si on affiche la description et l'image, on devrait récupérer automatiquement Biosen. Voilà. Donc voilà, dis-moi si ça correspond à ce que tu veux. Voilà pour la démo au niveau mobile. Hop.
Et si on retourne en fait sur le pod, et ben on devrait avoir une nouvelle entrée. Ici, est-ce que c'est celle-là la dernière? Discussion forum les 10 ans de l'AV avec l'URL. Donc si je copie le lien, là, ici, coller ouvrir. Voilà, on retrouve le lien qu'on a installé. Et ici, si j'actualise, on devrait avoir le nouveau lien qui apparaît, les 10 ans de l'AV. Voilà à peu près. Donc pour la petite démo, je vais couper là et puis j'essaierai de l'intégrer comme il faut. Donc du coup, ouais, c'est voilà, tu as une nouvelle appli qui est installée et qui te permet de partager en fait ce que tu veux. Pourquoi ça clignote? Ça n'a pas marché. On verra. Je la referai. Voilà. Ben voilà pour la petite démo. Si tu as des remarques ou des suggestions, tu peux utiliser donc les issues là à propos. Ici, tu as le code source et tu peux utiliser les issues. Hop, le code c'est ouvert et ça peut donc ça peut aussi servir de base pour d'autres projets. Et puis si tu as des questions, bah, tu as mon numéro. Voilà. Salut cousine!